Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, Monsieur Paul Quillez, d'être également avec nous. Je ne peux pas résister, même si j'ai 2 jours d'avance, au plaisir de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je crois que ce sera le 27 janvier. Oula, vous êtes d'avance, là. Vous êtes polytechnicien, ingénieur. Vous avez travaillé dans ce qu'on appelle l'industrie pétrolière pour un groupe dont le logo est un magnifique coquillage. Vous vous êtes engagé au début des années 70 en politique dans un moment joyeux et rimbaldien autour d'un programme Changer la vie. Vous êtes devenu le directeur de campagne de François Mitterrand pour sa première élection comme président de la République en 1981. Vous avez été élu plusieurs fois député dans le Tarn et également à Paris. Vous avez également occupé des responsabilités gouvernementales très importantes puisque vous avez été ministre avec des casquettes assez nombreuses, hein, ministre de l'urbanisme, du logement, des transports, de l'espace, de l'intérieur, et puis également ministre de la Défense, ministre de la Défense d'une puissance nucléaire, la France. Et puis, des années plus tard, vous avez, en 2016, participé à la création d'initiatives pour le désarmement nucléaire, IDN, dont vous êtes aujourd'hui encore le président, et vous avez choisi de faire du plaidoyer pour encourager le désarmement nucléaire et pour convaincre dans un pays qui est probablement très fier de détenir ce statut de puissance nucléaire autour de cette cause importante. Alors, beaucoup de lauréates et de lauréats de l'Institut de l'engagement qui sont nés après la fin de la guerre froide peuvent penser que les questions de désarmement nucléaire ne sont pas des questions prégnantes et qu'elles sont moins prégnantes que des questions comme le règlement de la crise sanitaire ou le changement climatique. Donc, merci d'être là avec nous pour nous dire, nous montrer que les questions de désarmement nucléaire et que les questions d'armement nucléaire sont des questions qui sont au cœur de l'actualité. Et pas seulement parce que vient d'entrer en vigueur un traité d'interdiction des armes nucléaires que la France n'a pas ratifié. Monsieur Paul Quillez, merci beaucoup d'être avec nous. C'est à vous. Écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que je vois cette assistance nombreuse de jeunes. Vous m'avez dit qu'il y avait aussi quelques moins jeunes, mais essentiellement des jeunes qui ont envie de s'engager. C'est le principe même de votre institut. Et que j'aimerais bien, moi, engager aussi dans le combat que je mène depuis quelques années. Juste un petit détail, dans mes fonctions ministérielles, vous en avez oublié une qui m'a beaucoup occupé, dans laquelle j'ai fait des choses, à mon avis, qui sont reproductibles aujourd'hui, c'est les PTT, c'est-à-dire les postes de télécommunication, où j'ai réalisé une réforme qui a été critiquée, évidemment, comme tout ce qu'on fait quand on est au gouvernement, mais qui est considérée aujourd'hui comme un exemple même de la façon de mener une réforme. Certains devraient regarder de près ce qui s'est passé. J'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup de choses là-dessus. Je suis heureux de pouvoir vous parler et débattre avec vous tout à l'heure parce que vous avez assez bien résumé la situation en parlant de trois dossiers chauds, mais qui sont en fait trois menaces considérables pour nous, Français, pour l'humanité et pour la planète. Je veux parler de la destruction de la planète avec le réchauffement climatique. On pourrait en parler très longuement. Je serais obligé d'être bref sur le sujet, même si c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, m'étant intéressé aux questions énergétiques dans les années 70, et ayant lancé avec mes amis Haroun Taziev et Alain Bombard la première association de développement des énergies nouvelles. À l'époque, ce n'était pas très, très à la mode, et pourtant, on était un petit peu précurseur, et on a convaincu d'ailleurs François Mitterrand de faire des choses. Il n'en a pas fait assez à mon goût, mais allant dans ce sens. Donc, c'est le premier danger, le premier risque
pour la planète tout entière. Quand on regarde l'histoire du monde, avant l'Homo sapiens, il y a eu des destructions de la planète. J'ai eu cinq destructions complètes. Et là, certains pensent, sans catastrophisme, que la sixième destruction est engagée. Et on pourrait donner de nombreux exemples. Le deuxième thème est celui, évidemment, je ne vais pas y revenir parce qu'on entend parler toute la journée de la pandémie que nous subissons actuellement, donc des crises sanitaires. Ça n'est pas la première fois, ça n'est pas la dernière. Moi, j'étais maire de Corde et je me suis intéressé à ce qui se passait à l'époque de la peste noire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1918 avec la grippe dite espagnole, qui n'était pas du tout espagnole d'ailleurs, qui a fait, alors on ne sait pas très bien, entre 20 et 50 millions de morts. Excusez de la précision, moi j'ai une de mes grandes tantes qui est morte à ce moment-là. Moi j'ai eu la grippe qui doit être la grippe de Hong Kong quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. Bon, pas bien grave, j'étais malade pendant une semaine et ça passait. Je veux dire que, j'espère qu'elle va se terminer. Je n'en suis pas sûr du tout, mais c'est une des grosses inquiétudes qu'on peut avoir actuellement. J'ai mis tout à l'heure un papier sur mon blog concernant la pandémie en Afrique, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on a tellement de soucis avec nous-mêmes qu'on ne pense pas à ce qui se passe dans des endroits qui ont de grandes difficultés à encaisser ce qui se passe et ce qui va probablement venir. Et le troisième danger, dont vous dites qu'il n'intéresse pas grand monde, ce n'est pas tout à fait exact, c'est l'armement nucléaire. L'armement nucléaire, tant qu'il n'a pas explosé une bombe atomique après les deux d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, on pense que ça ne nous arrivera pas, parce qu'en plus, la propagande, on appelle ça, la communication officielle, dit que c'est indispensable et que ça nous protège contre tout. Bon, c'est bien connu que ça nous protège contre le terrorisme, ça nous protège au Mali, ça protégeait en Ukraine, ça protège dans tous les conflits du monde, on voit que le nucléaire protège. C'est une blague. C'est une blague qui repose sur l'origine même de l'armement nucléaire. Et vous dites que je me suis engagé là-dedans, il faudrait que j'écrive d'ailleurs un livre que j'ai le temps pour écrire, comment je suis passé de ministre de la Défense pendant 6 mois, pas plus, en 1985-86, à un fervent défenseur du désarmement nucléaire. Vous savez, j'entends les gens me dire « Comment vous avez été ministre de la Défense? Comment est-ce que vous pouvez être dans le genre, vous êtes un petit peu, un peu fatigué, vous n'avez pas bien réfléchi ?» Bon, seule chose qui n'ose pas me dire, c'est que vous ne connaissez pas le dossier, parce que je le connais, je crois, à fond. Je connais à fond et j'ai écrit 4 livres, dont celui dont je vais vous parler, pas du livre, mais du contenu, qui s'appelle « L'illusion nucléaire ». Avant ça, j'avais écrit avec Bernard Norlin, Jean-Marie Collin, Arrêter la bombe. C'était le titre de la première association que nous avons créée, qui s'appelait ALB, Arrêter la bombe, et qui est devenue ensuite IDN, Initiative pour le désarmement nucléaire. Et il y a eu aussi, et ça je vous incite à le lire, même pas la peine de l'acheter, vous allez le trouver sur Internet, sur mon site, c'est quelques citations sur les armes nucléaires. J'en donnerai quelques-unes tout à l'heure, vous verrez, il y en a certaines qui sont très impressionnantes. Et avant ça, j'avais oublié un petit livre que j'ai écrit en 2012, qui rassemblait tous mes premiers écrits sur le nucléaire. Ça s'appelait « Nucléaire, un mensonge français ». On m'a dit « Mais comment vous pouvez dire « mensonge français » ?» Alors, j'ai modéré mon langage, et dans le dernier livre, on n'a pas parlé de mensonge, on a parlé « Illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique ». Ça veut dire quoi, la face cachée? Ça veut dire qu'il y a des tas de choses qui sont assez bien résumées dans ce livre qu'on n'explique pas quand on parle du nucléaire. On vous dit « c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement ». On vous dit aussi « ça ne coûte pas si cher que ça ». Et on vous donne des chiffres qui sont faux ou qui sont insuffisants. Insuffisants, je veux dire, par exemple, je prends toujours cet exemple du système de simulation des essais nucléaires, puisqu'à un moment donné, on a signé un traité d'interdiction des essais nucléaires. Encore que vous avez peut-être remarqué ces derniers temps, moi j'y étais plus sensible que d'autres, que Donald Trump a eu envie, heureusement qu'il n'est pas resté, a eu envie de reprendre les essais nucléaires qui sont arrêtés. Et donc ces essais nucléaires sont maintenant réalisés à l'aide d'un système de simulation, et ce système de simulation a juste coûté
250% plus cher que ce qui a été annoncé aux députés quand ils ont voté pour mettre en place ce système après que la France a abandonné les essais nucléaires, donc 1992 seulement, 1992, alors que le traité datait de bien avant. Mais on avait envie de continuer, on n'avait pas envie de signer. Et François Mitterrand a dit « on arrête ». Bah, ça a donné quand même une mauvaise idée à son successeur Jacques Chirac, qui en 1995 a dit il reste encore quelques essais à faire. Et il a fait une petite série d'essais qui étaient absolument inutiles. Il a fait un grand scandale dans le monde entier, les produits français ont été boycottés, etc. Et moi j'ai demandé, j'étais député à l'époque, puisque j'étais ministre entre 83 et 93, avec une interruption pendant la période de cohabitation 86-88, et 93, pardon, et en 95, j'étais redevenu député, et j'ai demandé qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Et il y a eu un débat sur, non pas sur le nucléaire, mais sur l'opportunité de reprendre les essais nucléaires qu'avait engagé Chirac. Et je vous signale que c'est la dernière fois que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc retenez la date, fin 1995, il y a eu une discussion sur la dissuasion nucléaire. Parce que, évidemment, en deux heures de débat, à un moment donné, on en vient à s'interroger sur l'opportunité de la dissuasion nucléaire. C'est la dernière, ça a été la première et la dernière fois. Parce que cette question-là n'est pas traitée dans l'hémicycle, elle est traitée dans les commissions. Et dans les commissions, pour vous donner un exemple, moi j'étais président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, l'autre commission qui est celle des affaires étrangères comptait faire des auditions de spécialistes de ces questions avant de voter la loi de programmation militaire qui pour 5 ans donne les engagements financiers et les décisions de financement. Eh bien, je suis resté pendant 1h30 devant cette commission. Il y a eu un rapport qui a été fait, mais la loi de programmation a été votée avant que le rapport ait été publié. Ça, c'est un exemple assez cocasse. Même chose au Sénat, devant la commission identique, il y a eu un débat en commission sur l'armement nucléaire. Et une sénatrice s'est levée et dit « Madame la secrétaire d'État qui était là, Monsieur le Président de la Commission, ce serait bien que sur ce débat important, il y ait un débat public. » Alors, vous n'imaginez pas la réponse. Elle est au journal officiel, donc je n'invente rien. La réponse a été de dire « Le Président, conforté par la secrétaire d'État qui était là, la réponse a été « Vous n'y pensez pas, si on fait un débat public, on va donner la parole à ceux qui ne sont pas d'accord. » À Pyongyang, ça se comprendrait. À Paris, dans une démocratie, on ne comprend pas très bien. Et moi, pour moi, c'est l'exemple parfait de cette idée qu'il y a une doctrine officielle. Il y a même un de mes anciens amis, Chevènement, qui lui avait fait un rapport et qui avait dit, vous voyez, comme notre rapport est complet, nous avons même donné la parole aux contestataires. Contestataires, vous savez ce que c'est, comment on fait avec la police quand il y a des contestataires. Donc nous, on ne nous a pas chassés, mais on nous a gentiment donné la parole, mais il était évident que nous ne sommes pas dans la ligne. Alors, la ligne, c'est quoi ? La ligne, c'est celle qui est issue de la décision prise par le général de Gaulle, président de la République en 1960, à partir d'essais nucléaires français, ce n'est pas lui qui les avait décidés d'ailleurs, qui était décidé bien avant, de considérer que la France avait besoin, pour son statut et pour sa défense, de l'armement nucléaire. C'était posé comme principe, puisque les Américains, 1945, avaient 3 bombes, une qu'ils ont essayée dans le désert, au Nouveau-Mexique, et où ils se sont aperçus que ça marchait, une qu'ils ont envoyée sur Hiroshima, et 3 jours plus tard, sur Nagasaki. Et il faut savoir que les arguments qui ont été donnés pour envoyer ces bombes, qui ont fait à toutes les deux 250 000 morts, sans parler de toutes les conséquences qu'il y a eu par la suite sur les familles, sur les descendants, etc., l'utilisation de ces bombes n'était pas, comme ça a été dit pendant 40 à 50 ans, nécessaire pour mettre une fin à la guerre. Les Américains avaient besoin de dire cela
pour montrer que on arrêtait quand même les victimes américaines, et il y en avait beaucoup, et les Japonais avaient besoin de le dire parce que c'était une façon de sauver la face. Or, la réalité, l'empereur a besoin de sauver la face en disant « mais j'y peux rien, c'est une arme épouvantable ». En réalité, les bombardements, notamment en napalm, des Américains sur Tokyo et sur plus d'une cinquantaine de villes japonaises, avaient fait beaucoup plus de morts. Mais le bombardement d'Hiroshima a été traité avec un certain retard par l'empereur, qui lui était beaucoup plus inquiété par l'avancée des troupes soviétiques qui arrivaient vers la Mandchourie et de se trouver coincé entre les Américains et les Japonais. Et c'est pour ça que la thèse officielle et des Américains et des Japonais, l'empereur évidemment voulant se maintenir en place, et il s'est maintenu, il a négocié avec les Américains, était heureusement que cette bombe nous a sauvés. Et je voudrais à ce propos vous lire un texte tout à fait exceptionnel qu'on cite assez souvent, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas lu, de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Albert Camus, non seulement parce que c'est un auteur formidable, mais parce qu'il est, il est pied-noir comme moi, et que Albert Camus, en plus, j'ai fait une cité de logement social à Cordes qui s'appelle la cité Albert Camus, parce qu'il est venu là avec sa grande amie à l'époque, et il en a gardé un souvenir mémorable, et il a dit de très belles choses, et notamment sur Cordes, à Cordes, tout est beau, même le regret. Bon, à mon avis, il pensait à autre chose. Et voilà ce que Camus disait dans le journal Combat du 8 août 1945, au lendemain du bombardement d'Hiroshima. Donc, il ne savait pas que le surlendemain, il y aurait un deuxième bombardement à Nagasaki. Et alors, voilà ce qu'il disait, et je vais en écouter, c'est tout à fait impressionnant. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme a fait preuve depuis des siècles. Parce que tous les journaux, à l'exception de cet éditorial de Camus, disaient « c'est formidable, cette bombe est absolument géniale ». Et donc lui s'est levé contre cette formulation. Et il a enchaîné « que dans un monde livré à tous les déchaînements de la violence, incapable d'aucun contrôle, indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé, personne sans doute, à moins d'un idéalisme impénitent, ne songera à s'étonner ». Et concluait son texte de la façon suivante: « Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui mérite d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. » C'est un texte, à mon avis, tout à fait visionnaire. Et malheureusement, dans ce même texte, il disait que finalement, s'il y avait une seule chose qu'on pouvait retenir, c'est que ça avait mis fin à la guerre. Mais il ne savait pas qu'il y avait Hiroshima, qu'il y avait Nagasaki le surlendemain, et il ne savait pas non plus ce qu'on a trouvé dans les archives, à savoir que la raison de cette bombe, c'était pour les Américains autre chose que mettre fin à la guerre, c'était aussi de tester en réalité l'essai qui a été fait dans le désert du Nouveau-Mexique. Et ce qui s'est passé après ce bombardement, c'est que des grands savants qui avaient poussé Roosevelt à déclencher le projet Manhattan de mise au point d'une arme nucléaire se sont dédiés de façon incroyable, et notamment Einstein, à qui on avait demandé de signer le texte envoyé à Roosevelt pour lui dire « il faut dépenser des milliards et des milliards pour faire ses études », ce qui a été fait pendant 5 ans, entre 40 et 45. Et Einstein a dit « le jour où j'ai envoyé cette lettre à Roosevelt, j'aurais dû me couper les doigts ». Donc, et après, vous avez toute une série de grands savants, y compris Joliot Curie, etc., qui se sont associés dans des groupes de protestation contre l'arme nucléaire, demandant que l'arme nucléaire soit abolie. Voilà. Alors, moi, je voulais vous lire un deuxième document que vous retrouverez dans ce livre sur quelques citations sur les armes nucléaires, avec une belle photo de Plantu, d'ailleurs.
C'est la citation qui concerne Ronald Reagan, qui n'était pas du tout une colombe de la paix, comme les plus anciens se souviennent, c'est moins qu'on puisse dire. Et Ronald Reagan avait fait une interview au journal Time, et il disait, voilà son expérience à l'égard de la responsabilité d'engager ou non une attaque nucléaire. Un débat qui a eu lieu ces derniers temps, avec les folies de Trump, dont on se demandait si à un moment donné, pour se sauver lui-même, il n'engagerait pas. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont des chefs d'état-major, des politiques, qui ont fait un papier une semaine avant son départ pour dire attention, attention. Et voilà ce que disait Reagan. Vous apprenez que des missiles soviétiques ont été lancés. Vous savez que désormais, plus rien ne peut les arrêter et qu'ils vont détruire une partie de votre pays beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Et vous êtes assis là, sachant que tout ce que vous pouvez faire est d'appuyer sur le bouton pour que les Soviétiques meurent aussi, alors que nous serons déjà tous morts. C'est une description absolument hallucinante et réelle de ce qui se passe dans la tête des dirigeants, en tout cas des responsables de l'armement nucléaire. Et il a été tellement frappé par ce qu'il a pu constater, et notamment quand il avait demandé combien il y avait de sites soviétiques qui étaient prévus dans les frappes possibles. Alors, je crois qu'on lui a dit 20 à 40 000, mais il lui a dit « mais vous êtes complètement fou ». Et c'était cette folie-là, hein, justement, qui guidait les responsables de l'armement nucléaire. Hein. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si, dans une des descriptions de la dissuasion nucléaire, qui est un concept complètement fou, une des descriptions s'appelle « mutual assured destruction », « destruction mutuelle assurée », ce qui, en abrégé en anglais, se lit « mad », « fou ». C'est le docteur Folamour. Eh bien, Reagan a été tellement frappé par tout ce qu'il imaginait, tout ce qu'il avait vu, qu'il a organisé un sommet américano-soviétique en Islande l'année suivante. C'était, je crois, en fin 86, à Reykjavik, en Islande. Il y avait Reagan et Gorbatchev. De quoi ont-ils parlé? C'est à peine croyable, et moi à l'époque je ne m'en suis pas rendu compte parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Ils ont discuté pendant 2 jours, un livre est sorti là-dessus, pour savoir comment faire disparaître tout l'armement nucléaire d'ici l'an 2000, c'est-à-dire 14 ans plus tard, décembre 86. 14 ans plus tard, les deux dirigeants des grandes puissances qui possèdent 90% des arsenaux nucléaires ont travaillé pendant 2 jours pour savoir comment faire disparaître l'armement nucléaire. Alors évidemment, ça ne pouvait pas se faire en un jour, en une année, mais il faut savoir qu'ils n'en étaient pas loin, sauf que dans les entourages, parce que c'est les entourages qui préparent les décisions. N'imaginez pas un seul instant que moi, quand je suis arrivé, par exemple, en septembre 85 au ministère de la Défense, c'était essentiellement pour résoudre la triste affaire du Rainbow Warrior, qui m'a occupé un bon moment, n'imaginez pas que j'avais une connaissance extraordinaire. J'étais polytechnicien. Bon, à l'époque, on faisait le service militaire. Mon père était officier, mais ça ne me, je veux dire, ça me désignait pas pour être ministre de la Défense. Et j'avais autour de moi toute une série de conseillers qui me rédigeaient des discours, qui me faisaient des notes, hein, langage à tenir, ça s'appelait, etc. Et comme je suis quelqu'un de plutôt sérieux et de travailleur, eh ben, j'ai travaillé tous ces sujets. Mais je ne détenais pas la vérité. Or, ces deux grands responsables se sont réunis avec leurs conseillers et pendant 2 jours, ils ont discuté comment est-ce qu'on pourrait faire disparaître l'armement nucléaire. Et les conseillers américains disaient à Reagan, il ne faut pas faire confiance aux Soviétiques. Et du côté soviétique, on disait, bon, attendez, vous exagérez, vous voulez garder votre bouclier antimissile et abandonner toutes vos armes. Parce que c'était ça ce que les conseillers de Reagan lui conseillaient. C'était l'époque de l'IDS, Initiative de Défense Stratégique, SDI en anglais, c'est-à-dire on met autour du pays, les États-Unis, un bouclier fait de centaines de satellites, de satellites détecteurs, de satellites armés de laser,
Et ce bouclier antimissile, ce SDI, Strategic Defense Initiative, protégeait les États-Unis. Et donc, les soviétiques disaient, écoutez, si vous voulez garder ça, ce que conseillaient les conseillers de Reagan, vous vous moquez de moi. C'est la fameuse histoire du glaive et du bouclier. Si vous avez un bouclier, vous pouvez utiliser un glaive. Moi, vous me demandez d'abandonner mon glaive, mais je n'ai pas de bouclier. Et ça, c'était sous l'influence aussi de Margaret Thatcher qui disait on ne peut pas faire confiance aux soviétiques. Conclusion, ces deux jours, comme chacun le sait, n'ont pas été conclusifs. Mais par contre, l'année suivante, en 87, ils ont signé un traité, le traité sur les armes nucléaires intermédiaires. Parce que aller vers la paix, ça passe à l'évidence par la suppression de l'armement nucléaire, je vais vous l'expliquer rapidement, qui est dangereux, pas seulement parce qu'il fera des millions de morts, mais parce que dans certaines conditions d'utilisation, il peut détruire toute vie sur la planète. Et il est dangereux aussi parce qu'il crée dans les esprits des décideurs des modes de fonctionnement qui sont terriblement inquiétants. Inquiétants pour ce qui est de la gestion du nucléaire et inquiétants pour ce qui est la capacité d'avoir la paix sur Terre. Alors évidemment, c'est là que je me fais traiter de naïf, etc. Ce n'est pas vraiment la réputation que j'ai, mais vous ne pensez quand même pas qu'on va arriver à la paix comme ça, qu'on va faire disparaître les armes. On n'a jamais dit que la disparition des armes se faisait en un jour et qu'elle se faisait de façon unilatérale. Non, il est en service depuis hier, le traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. Il y a plus de 50 pays qui l'ont signé, donc qui vont être engagés par ce traité. Le problème, c'est pour tous les autres, et notamment pour les 5 pays membres du club nucléaire. Les 5 pays membres du club nucléaire, je vous rappelle, c'est les États-Unis, avec l'arme nucléaire depuis 1945, c'est la Russie, qui était l'URSS à l'époque, qui n'a pas accepté la première décision du Conseil de sécurité de l'ONU, qui était d'interdire la possession de l'arme nucléaire. C'était le plan Baruch. Les Russes se sont dit « Oh là là, on ne va pas pouvoir accepter ça », enfin les Soviétiques à l'époque, puisque les Américains en ont, on ne sera jamais sûr qu'ils l'abandonnent. Et donc, on est passé à côté de la suppression de l'armement nucléaire en 1946. Et en 1949, effectivement, les Soviétiques ont fait le premier essai nucléaire. Il y a eu ensuite, en 1952, la Grande-Bretagne, en 1960, la France, en 1964, la Chine. Donc, il y avait 5 pays. Or, ces 5 pays étaient les pays qui étaient membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qui ont le droit de veto, qui bloquent très fréquemment le Conseil de sécurité, comme on l'a vu à propos d'Israël à nombreuses reprises. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui dit « je ne suis pas d'accord », c'est le droit de veto, et ça ne passe pas, et ça limite la capacité de l'ONU, des Nations Unies, du Conseil de l'ONU, de prendre des décisions fortes pour assurer la paix, dont c'est l'objectif. Le secrétaire général Antonio Guterres le rappelle souvent, et il a fait des déclarations très fortes sur l'armement, contre l'armement nucléaire. Donc, les Soviétiques, non seulement ont fait un premier essai avec une arme, je dirais, identique, de même nature, que celle qu'avaient utilisée les Américains à Hiroshima ou à Nagasaki. Mais plus tard, quelques années plus tard, ils ont fait des expériences avec la découverte de l'arme thermonucléaire qui avait 10, 20 fois, 100 fois la puissance de l'arme nucléaire utilisée à Hiroshima et Nagasaki. Et la Tsar Bomba, qu'on appelle ça la Tsar Bomba, je vous signale que c'était des essais qui étaient faits en pleine nature, vous imaginez un petit peu les ravages et les conséquences ultérieures, avaient un pouvoir, je vous retrouverai le chiffre, mais qui était absolument monstrueux, qui faisait en une fois, je ne sais combien de fois, tout l'armement qui avait été déversé sur l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est là dans des chiffres hallucinants. La France est empressée de faire de même, la Chine. Chacun donc avait sa bombe et sa super bombe. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans le milieu des années 60, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, Eisenhower,
quittant la Maison Blanche début des années 60, fait un discours qui est connu comme le discours sur le lobby militaire ou industriel. Il avait beaucoup utilisé pendant les années 50, mais là, il s'est aperçu que c'était un danger pour les libertés. Et il dit dans son discours d'adieu de la Maison Blanche que ce qui menace le plus les libertés, c'est le lobby militaro-industriel. Et ce lobby militaro-industriel, il existait dans tous les pays, y compris en Chine. Mais enfin, c'était surtout aux États-Unis, c'était en France, en Grande-Bretagne, et en France, je le connais bien, ce lobby-là, c'est celui qui préparait les nouvelles armes, qui expliquait qu'il fallait moderniser, que le missile qui tirait à 4500 km, le missile longue frappe, c'était pas assez. Il fallait jusqu'à 8000, 9000. On est passé du M45 au M51. C'est ce qui explique comment on peut développer des porte-avions plus puissants, des sous-marins plus puissants, avec plus de missiles. Et ils expliquent cela à des conseillers du ministre, ils expliquent ça aux militaires, ils font des essais ensemble, et quand ça arrive au ministre ou au président de la République, eh ben, à ce moment-là, l'affaire est entendue. Et le discours qui est tenu, qui est le discours de nature presque théologique, à savoir que l'arme nucléaire est indispensable à la sécurité de la France et que ça ne se discute pas, à ce moment-là, tous ceux qui interviennent contre ou qui mettent en doute sont considérés au mieux comme des innocents, au pire comme des mauvais Français. Et donc, on leur dit, rappelez-vous, avant la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a un gouvernement qui s'est laissé aller, qui n'a pas suffisamment armé, le fameux complexe à l'époque, et avec la ligne Maginot, on disait de toute façon, ne vous inquiétez pas, on est protégé par la ligne Maginot. Et c'est l'expression que j'ai utilisée d'ailleurs la première fois que j'ai parlé de ce sujet officiellement, j'ai dit attention à la ligne Maginot, c'est-à-dire que la ligne Maginot, elle était faite pour être contournée, et le nucléaire militaire aujourd'hui, il peut être contourné. Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps, ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis, un peu moins en France, l'affaire de SolarWinds, cette société qui a été piratée depuis un an, on ne sait pas par qui, et on ne sait pas la masse de documents qui a été saisie. Ce qu'on sait, c'est que dans ces documents, il y a énormément de documents officiels de ministères américains, y compris de certains qui traitent des questions de nucléaire militaire. Donc, on ne sait pas encore qui sont-ils, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont piraté comme document, et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Or, vous pouvez très bien parler tout à l'heure du film Le Chant du Loup, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez très bien avoir l'annonce d'une attaque, hein, mais vous ne savez pas d'où elle vient et vous ne savez pas si c'est vrai. Et qu'est-ce que vous faites ? Normalement, dans le système, dans le principe de la dissuasion, dont on disait à une époque stupidement que c'était une arme de non-emploi, comme si dans l'histoire de l'humanité, il y avait des armes qui n'ont pas été employées. Et regardez avec le biologique, regardez avec l'armement chimique. Et donc, cette arme, elle serait obligatoirement, en tant qu'arme de représailles, déclenchée si on apprend que une bombe est en train d'être arrivée sur notre pays. Mais vous ne savez pas qui vous l'a envoyée et vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je pense que cette affaire de SolarWinds, de ce piratage, est extrêmement grave. Vous pouvez très bien avoir des attaques dont vous ne connaissez pas l'origine. D'où le danger quand même de cette arme qui peut, sans qu'on puisse le prévoir, sans qu'on puisse imaginer dans quel cas ça se produit, il y a une fausse alerte. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous recommande de le voir, ça doit être possible. Il s'agit d'une fausse alerte qui arrive à la présidence de la République, c'est le président qui décide, hein, depuis 1964.
Je vous signale que je faisais mon service militaire, centre opérationnel des armées, et le colonel avait peur d'avoir le général de Gaulle, qui est le président de la République, au téléphone, pour faire l'essai du passage téléphonique, hein, ce n'était pas très perfectionné comme sécurité, entre l'Élysée et le centre de commandement du nucléaire, qui devait être à Taverny. Et donc, il m'a dit, vous êtes polytechnicien, vous savez ça. Il s'agissait de tenir un téléphone et d'appuyer sur deux boutons. J'étais très, très flatté. Et j'ai eu le général de Gaulle au téléphone. Et le général de Gaulle qui m'a dit, voilà, j'engage l'armement nucléaire. Enfin, je ne me souviens plus de la phrase, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Je dis, bien, bien, mon général, rien, voilà. Et donc, après, j'ai raccroché, il m'a dit, ah, c'est le général de Gaulle. Alors, voilà comment ça se passait. Et c'était janvier 64. Et depuis cette époque-là, c'est le président de la République qui prend la décision, et lui seul. Alors, pour en revenir au film, le président de la République a eu message qu'il y avait une attaque qui lui était transmise par ses conseillers, par ceux qui sont spécialisés dans cette question. Et lui, à ce moment-là, après les avoir consultés, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, engage le sous-marin nucléaire dans son engin, le SNLE, à envoyer des missiles nucléaires. Alors, on ne sait pas sur qui, c'est probablement sur la Russie, ou je ne sais pas si c'était à l'époque à l'URSS, et normalement, ça doit faire des millions et des millions et des dizaines de millions de morts. Et d'un seul coup, ils se rendent compte que c'était une fausse information, et ils veulent contacter le sous-marin, le commandant du sous-marin, pour lui dire « arrêtez, arrêtez, ça ne marche pas ». Sauf que la consigne, c'est que dès que l'ordre est donné par le président de la République, les contacts sont coupés. Donc, ils n'ont plus aucune façon de prévenir le sous-marin qu'il faut arrêter de tirer. La seule solution qu'ils trouvent à ce moment-là, c'est d'engager un sous-marin nucléaire d'attaque, un sous-marin SNA, un sous-marin d'attaque qui n'est pas nucléaire, de couler le sous-marin qui est susceptible de lancer les missiles. Donc, tout l'équipage français et le sous-marin sont coulés. Voilà, c'est quelque chose de terrible. Malheureusement, je trouve, le film s'arrête avec la Marseillaise et les familles qui pleurent, mais on ne donne pas la suite. Parce que l'intéressant, c'est de savoir quelle est la suite qui aurait été donnée aux familles, aux politiques, aux médias, et quelles décisions seraient prises pour modifier un système qui ne fonctionne pas. Voilà, si vous voulez, quelques exemples que je peux vous donner sur la façon dont ce système est devenu extrêmement dangereux. Les quantités d'armes nucléaires, les stocks d'armes nucléaires ont cru de façon hallucinante et folle, folle, c'est vraiment docteur Folamour, c'est entre trois charges nucléaires en 1945 jusqu'à 70 000. 70 000 en 1990, c'est-à-dire au moment où la guerre froide est censée se terminer, c'est-à-dire où la chute du mur de Berlin, il y avait 70 000 armes nucléaires dans les stocks. Donc, on est passé dans cette période d'une augmentation folle qui avait comme explication il faut qu'on en fasse autant que les autres. Et en l'occurrence, c'était les Russes et les Américains qui se battaient pour en avoir le plus possible des nouveaux dispositifs. Et chacun prévoyait des attaques qui pouvaient survenir en représailles. Et à ce propos, j'espère que vous avez vu un film qui est sorti, était sur Arte, qui s'appelait 1983, au bord de l'apocalypse nucléaire. C'est un film formidable, un documentaire, vous pouvez retrouver, doit être sur mon blog, qui explique comment, en 1983, dans le système de commandement nucléaire à Moscou, époque de l'Union soviétique, bien sûr, et il y avait il était, je crois, capitaine ou colonel, oui, Petrov,
qui était de service et qui voit arriver sur son écran de contrôle une attaque de missiles américains. Comment voit-il ça ? Chacun espionne l'autre avec des satellites. Et un satellite qui est au-dessus d'un site de lancement de missiles aux États-Unis avait repéré 1, 2, 3, 4, 5 missiles nucléaires qui étaient partis, évidemment, vers l'Union soviétique. Que s'était-il passé ? Le colonel Petrov fait son analyse et il dit « c'est pas possible ». On m'a appris que si les Américains attaquaient, ce ne serait pas 5, ce serait des dizaines. Et je ne sais pas comment il fait, mais il s'aperçoit que le satellite avait repéré l'image infrarouge d'un rayon de soleil, vous voyez les États-Unis, depuis l'ouest, un rayon de soleil qui s'était réfléchi sur un nuage qui était au-dessus du site. Si bien que le satellite avait repéré l'image infrarouge du rayon de soleil à 5 reprises et il avait compris, il était un peu idiot, hein, mais c'est comme ça, il avait compris que c'était un missile. Et Petrov a fait ce qu'il ne devait pas faire, il n'a pas rendu compte immédiatement ses supérieurs. Il se trouve que le supérieur en question qui devait prendre décision, c'était Andropov, et Andropov, il était à l'hôpital, et donc c'était ses remplaçants. Quand il les a prévenus, il leur a dit « bon, voilà, il y a eu 5 signaux, mais ce ne sont pas des missiles, vous inquiétez pas. » Les autres se sont complètement affolés, à tel point que, quelques temps plus tard, il a été sanctionné et on l'a muté parce qu'il n'avait pas rendu compte immédiatement. Imaginez-vous, s'il avait rendu compte immédiatement en disant « il y a 5 missiles américains qui sont partis et qui viennent chez nous », les autres appuyaient sur le bouton, c'est une expression, hein, mais ils appuyaient sur le bouton immédiatement. On n'a que quelques minutes pour décider et pour agir. Et c'était une catastrophe hallucinante. Hein. C'est 1983 au bord de l'apocalypse nucléaire. Et des erreurs de cette nature, il y en a un nombre incroyable. Les Américains en ont chiffré, je crois, 32 dans les années 60-70. Dans le livre « L'illusion nucléaire », vous avez toute une série d'omissions, ce qui s'est passé pendant la crise de Cuba, par exemple. Là aussi, on est passé pas loin, parce que manque de communication et parce que ça a failli partir très très vite. Et à tel point que vous avez William Perry, qui était à cette époque-là jeune conseiller, et il se levait tous les matins en disant ben, « c'est mon dernier jour », parce qu'il entendait parler de l'utilisation du nucléaire au ministère de la Défense, au Pentagone, tous les jours. Vous avez à Palomares, un accident nucléaire militaire en Espagne, un avion qui tombe, qui s'écrase avec de l'armement nucléaire. Et on a mis des dizaines d'années à nettoyer la région. Soit dit en passant, les Américains ont envoyé beaucoup de monde pour retrouver les armes nucléaires qui étaient tombées. Il a fallu que ce soit un pêcheur qui trouve ça dans les filets, qui leur dise « qu'est-ce que c'est ce truc-là » Et ce truc-là, c'était une arme nucléaire. Et ils ont fini le nettoyage de la zone il n'y a pas tellement longtemps. Et ils ont dû indemniser fortement les Espagnols. Vous avez aussi en France une mission nucléaire qui est partie par erreur. Un jour, un avion qui est parti avec des armes nucléaires. Et c'est en arrivant à la frontière, quand il a vu qu'il était chargé, qu'il a vu que les avions de ravitaillement n'étaient pas là, qu'il s'est dit il y a quelque chose et qu'il est revenu. Et il s'est reposé, vous imaginez, avec sa charge nucléaire sur l'aérodrome. Et dès comme ça, on peut vous en raconter des tas. Il y en a une dizaine dans le livre. Il y a aussi l'histoire de ces deux sous-marins, un Britannique et un Français, qui se sont rentrés dedans il y a quelques années. Et toujours dans le sens de plus grande transparence, le ministère français a expliqué qu'ils avaient rencontré, ce n'était pas une bouteille de Coca-Cola, mais c'était quelque chose comme ça, quoi. Que bon, il s'était un petit peu abîmé, le sous-marin français. Et il a fallu que le sous-marin britannique se fasse réparer en Écosse, qui est assez anti-nucléaire, pour qu'on apprenne qu'en fait, les deux sous-marins s'étaient tamponnés.
imaginer que ce soit tamponné un petit peu plus fort, un peu plus fort. Ils étaient tous les deux chargés d'armement nucléaire. Voilà, là, vous voyez à travers ce genre d'exemple à quel point on oublie, bah, on ment et on crée de l'illusion. L'illusionniste, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, et je suis toujours de ce point de vue-là très jeune, je suis fasciné par les illusionnistes. Ils vous montrent quelque chose, bah, ils ne vous montrent pas ce qu'ils sont en train de faire avec l'autre main, qu'ils sont en train de faire. C'est absolument fabuleux à regarder un illusionniste. Et là, donc, ils sont, eux, tous ceux qui défendent le nucléaire et qui le défendent ardemment, de vrais illusionnistes, c'est-à-dire qu'ils attirent votre attention pour vous faire oublier ce qui se passe par ailleurs. C'est ça, l'illusion nucléaire. Alors, je ne sais pas si je suis trop bavard ou pas assez. Il va falloir, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Donc, peut-être, M. Germanong, il faudrait que je laisse la parole à l'auditoire. Merci beaucoup, Monsieur Quiles. Je vais me faire le porte-parole de Noé pour une première question, et une question assez théorique. Noé doit étudier les relations internationales. Il se demande ce que vous pensez du courant dit réaliste, et je mets volontairement et j'appuie volontairement les guillemets autour du nom de ce courant, du courant réaliste des relations internationales, qui trouverait ses origines dans la philosophie de Hobbes et qui prétend que qui veut la paix prépare la guerre, et pas qui veut la paix prépare la paix, bien évidemment. Oui, bon, ça, c'est une expression que je reprends toujours à l'envers. Hein. Si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et je la traduis par si tu veux la paix, prépare la paix. Parce que prépare la guerre, c'est ce qu'on fait depuis tout le temps. Et depuis 1945, l'augmentation du nombre d'armes nucléaires, c'était pour la paix. C'était pour la paix. Et alors, les mêmes en question, vous disent que, bah, vous voyez, il y a eu l'armement nucléaire, et il y a eu la paix. Pardon ? Il y a eu la paix où ? Il y a eu la paix entre les possesseurs d'armement nucléaire, mais ailleurs, ils faisaient la guerre par procuration, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Hein ? Quelqu'un a rappelé l'autre jour, j'aime bien cette petite histoire, quelqu'un qui prenait un train de banlieue tous les matins et qui voyait quelqu'un juste à côté qui ouvrait la fenêtre de temps en temps et qui sortait une boîte avec une poudre blanche et qui jetait la poudre blanche à l'extérieur et qui refermait. Et un jour, l'ayant vu faire ça trois fois de suite, le gars lui demande, il lui dit « Mais excusez-moi, vous faites quoi avec cette poudre ?» Le gars lui dit « Oui, je fais ça pour éviter qu'il y ait des éléphants sur la voie. » Il lui dit « Vous voyez bien qu'il n'y en a pas ?» Et bien, il dit « Vous voyez bien que ça marche ?» Voilà. C'est ça le nucléaire. Donc, on avait le nucléaire, c'est la relation causale, cause à effet. Donc, il y avait du nucléaire, donc il y a eu la paix. Ben oui, il y a eu la paix. C'est pas le nucléaire qui a entraîné la paix. C'est le fait qu'il y a eu, malgré cette folie à avoir de plus en plus d'armes, qui créait des conditions de plus en plus fortes de la guerre, même s'il n'y a pas eu. Elle aurait pu avoir lieu, je vous l'ai expliqué, à des dizaines de fois, à des dizaines d'occasions. Ça a amené un dirigeant à dire, et la formule a été souvent reprise, si on n'a pas eu la guerre depuis 1950, une guerre nucléaire, ce n'est pas grâce à l'intelligence des décideurs, c'est grâce à la chance. Et moi, je crois qu'on ne peut pas laisser l'avenir de l'humanité, l'avenir de la planète, à la chance. Et ceux qui tiennent ce discours sur « si vis pacem, para bellum » sont des gens dangereux, je ne le dis pas pour celui qui a posé la question, mais tous ceux qui défendent cette théorie, alors que pour préparer la paix, je vous en parlerai tout à l'heure si vous le souhaitez, je vous donnerai toutes les propositions qui sont faites par l'association que je préside, il y en a une douzaine de propositions qui sont peut-être compliquées, qui sont longues à mettre en œuvre dans le temps, mais c'est comme ça qu'on fait la paix. Et il y a eu des tas de traités qui ont été signés, même pendant cette période de folie nucléaire. Il y a eu en particulier le traité START, qui visait, tenez-vous bien, à limiter le nombre de missiles à longue portée à 1550. Bon, je ne sais pas comment ils ont trouvé 1550, mais 1550. Et aussi bien la Russie aujourd'hui, l'Union soviétique hier, c'est plus compliqué que les États-Unis, sont arrivés pas loin de cette forme-là. Et ce traité
il prend fin en février. C'est le traité New Start. Il y a eu Start 1, 2, 3 et New Start. Et le sinistre Donald Trump avait annoncé qu'il ne renouvellerait pas ce traité. Il ne renouvelle pas, ce qui signifiait qu'à partir du mois de février, eh ben, les Russes auraient dit « bon, bah, ok, on y va, on en fait 2000, on en fait 3000 », et les Américains auraient dit « pourquoi pas nous aussi ?» et tous les autres également. Donc, ce traité, la première décision, je crois une toute première décision de Joe Biden, c'était de dire « je renouvelle le traité START ». Et les Russes ont dit « nous aussi ». Donc voilà déjà une décision. Ça n'est pas la seule, 15 ans, c'est encore beaucoup. Oui, il y a de quoi faire exploser la Terre plusieurs fois. Hein, pas simplement en envoyant des Russes sur les Américains, des Américains sur les Russes, mais en dehors des cinq dont j'ai parlé tout à l'heure, le club des cinq, hein, il y a des pays, il y en a quatre autres, qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération. Hein, 68, mis en œuvre à partir de 70, et la France signée seulement, et la Chine seulement en 92. Et ce traité de non-prolifération, il dit qu'il y a des États qui sont autorisés à avoir du nucléaire et que les autres n'en ont pas, mais que les États qui sont autorisés doivent les aider à avoir du nucléaire civil. Enfin, un mélange un petit peu compliqué, tordu, mais c'était pour faire passer la pilule, si je puis dire. Et donc, ces cinq pays se considèrent par le traité de non-prolifération comme ayant le droit de posséder de l'armement nucléaire. Ils considèrent que c'est légitime. En réalité, ils oublient tout simplement l'article 6 de ce traité qui n'est pas appliqué. Et l'article 6 du TNP, je vais vous le lire, chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Ça, c'est navrant de penser que ces cinq pays, ce club des cinq, n'a pas appliqué le début de cet engagement qu'ils ont pris, et notamment la France. Moi, je ne me prive pas de le répéter, notamment au président de la République, qui ne cesse de répéter, lui, les discours qu'on lui a préparés, qui sont les mêmes depuis 1960. C'est toujours le même discours. Bon. Et donc, le TNP est un traité important. Le TIAN, traité d'interdiction, qui vient d'entrer en vigueur aussi, et ces deux traités qui se complètent. Pour l'instant, il n'y a que 51-52 pays qui ont signé le traité d'interdiction, mais ce traité impose aux autres, il va leur imposer un certain nombre de mesures. Je pense notamment au financement par les banques des entreprises qui font du nucléaire. Vous pouvez être très bien en France, une banque qui finance de l'armement nucléaire ailleurs et être dans l'illégalité. Donc, c'est par une série de traités, par une série de dialogues, par une volonté de transparence, qu'on ira vers le désarmement nucléaire, donc vers la paix. Et la paix, ce n'est pas simplement de préparer la guerre, ça c'est une grande blague qui est très appréciée par les fournisseurs d'armement. Mehmet souhaite vous poser une question en direct. Bonjour monsieur, bonjour à tous, merci pour votre conférence, c'était très bonjour. Intéressant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si, très bien. Ok, j'avais deux questions, mais peut-être que vous allez répondre, Karine, puisque sinon Marc, il va pas être content. La première, c'était si on n'envisage pas le désarmement nucléaire, est-ce que vous pensez que ça pourrait occasionner un conflit majeur un jour entre les grandes puissances et donc la possible utilisation d'armes atomiques et mettre fin du coup aux guerres par procuration que se mènent les grandes puissances aujourd'hui? Et la deuxième, c'est comment envisager le désarmement nucléaire quand des pays émergents comme l'Iran souhaitent à leur tour l'obtenir. Merci, monsieur.
Ben là, il y en a à peu près pour une heure pour vous répondre. Sur l'Iran, il y avait des dispositions qui avaient été prises par cinq pays, le JCPOA, c'est le sigle américain. C'était l'accord avec l'Iran d'arrêter l'enrichissement de l'uranium qu'ils avaient commencé, c'est-à-dire qu'ils enrichissaient l'uranium à un petit niveau pour faire du nucléaire civil, mais pour faire du nucléaire militaire, il faut beaucoup de centrifugeuses et beaucoup d'enrichissement. Et les Iraniens avaient accepté de s'engager à condition que soient supprimées toutes les sanctions qui leur avaient été opposées et qui ont mis leur économie en mauvais état. Malheureusement, la position de Trump, encore lui, qui a été de se retirer de cet accord, a laissé libre cours aux extrémistes en Iran, il y en a, et qui ont dit, ah ben dans ces conditions, puisque les sanctions reviennent, là, on n'est plus tenu à quoi que ce soit, donc on va augmenter le taux d'enrichissement d'uranium et faire de l'uranium militaire. On en est là, j'espère qu'avec Biden, le débat va reprendre et on ira plus facilement vers des relations apaisées avec l'Iran. On n'a aucun intérêt à être dans ces débats moyen-orientaux qui sont historiquement très compliqués et aujourd'hui encore plus, enfin encore autant. L'autre question, bah, elle est très générale. Je crois y avoir un petit peu répondu. Si les plus grands pays, mais il n'y a pas que la Russie et les États-Unis, il y a aussi la Chine, avec tous les conflits qui règnent en ce moment dans le sud-est asiatique et avec la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, tous ces pays-là se regardent de façon bizarre en se disant est-ce qu'un jour il ne va pas y avoir une utilisation brutale du nucléaire par tel ou tel. Donc c'est ça le danger, c'est qu'à partir du moment où ces armes existent et où il n'y a pas de transparence entre les différents pays, où il n'y a pas de négociation, c'est déjà arrivé, négociation, on se met à plusieurs autour de la table et on prend des engagements. Songez par exemple que depuis 2010, l'ONU avait demandé qu'il se crée une zone d'exemption d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Il y en a cinq actuellement dans le monde. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Océanie, il y a cinq zones. Et l'ONU a eu la bonne idée de faire cette proposition. Et la réunion ne s'est jamais faite parce qu'à l'époque, c'est encore le cas, on disait, vous rendez compte, on ne va pas mettre autour de la table Israël et l'Iran. Et pourquoi ne pas mettre la paix? On l'a fait avec les ennemis, pas avec les amis. Mais il faut mettre les amis aussi dans le coup. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il faut y arriver. Et je pense que la France aurait un rôle à jouer, à resuggérer qu'il y ait ce tour de table entre les pays. Alors, ça ne se fait pas en un jour de décider qu'on est exempt d'armes nucléaires, pour la raison que je vous ai indiquée à propos de l'Iran. Mais Israël, c'est encore pire. C'est le secret de Polichinelle le mieux gardé dans le monde. Puisque Israël n'a jamais dit qu'ils avaient l'arme nucléaire. Or, la France devait bien le savoir, puisque c'est elle qui en est à l'origine, dans les années 60. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Israël a évidemment de l'arme nucléaire. Et il y a ce faux débat, hein, l'Iran veut liquider Israël, et ben, on a une arme nucléaire, on peut se défendre. Le problème est de savoir, et ça, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, si l'arme nucléaire, c'est une arme de destruction massive destinée à faire des millions de morts dans une population, c'est 10, 20 millions de morts, ou est-ce que ce sont, et ça vient de plus en plus ça, des armes miniaturisées, plus précises et destinées à détruire les lieux de pouvoir? Oui, mais à ce moment-là, si c'est une arme d'emploi, excusez-moi du détail, ce n'est pas une arme de non-emploi. Donc, ce n'est pas une arme de représailles, c'est une arme qui peut servir en premier lieu. Et là, il y a des propositions à faire qui ont été faites, par Biden notamment et par bien d'autres, à savoir que l'arme nucléaire
ne soit pas utilisé en premier. C'est la non-utilisation en premier. Alors, ça fait rire les gens qui sont pro-nucléaires en disant oh, bah, comment vous voulez prendre cet engagement? Ah, oui, pour l'instant, il n'y a que deux pays qui ont pris cet engagement, c'est la Chine et l'Inde. Et les autres pays ne le disent pas, puisqu'ils développent des armes qui seraient susceptibles d'être utilisées en premier. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est une des propositions, une des 12 propositions d'ailleurs faites par IDN, que je peux vous donner si ça vous intéresse. Faisons un rêve, nous dit Lisa. Imaginons que les puissances nucléaires parviennent à un accord de désarmement généralisé. Comment fait-on pour le vérifier? Comment fait-on pour vérifier qu'il est vraiment appliqué, et notamment avec des responsables comme, même si désormais Biden est entré en fonction, comme Trump ou Poutine? Oui, mais vous avez raison. D'abord, quand vous dites les États nucléaires, il faut savoir si vous parlez des 5 ou des 9. Hein. Je rappelle les 5 du club des 5, hein, et l'Inde et le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, qui eux ne sont pas signataires du TNP. Petit détail que je n'ai pas précisé. On a entendu pendant des tas d'années, j'ai même entendu le président de la République le dire, vous le retrouverez facilement, à savoir qu'on avait besoin du nucléaire pour avoir une position forte et être respecté au niveau mondial. Et en addendum, si je puis dire, à cette affirmation, on dit « mais attendez, on est membre du Conseil de sécurité ». Comme si le fait d'être membre du Conseil de sécurité, d'avoir l'arme nucléaire, permettait d'être membre permanent du Conseil de sécurité. Je vous rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU, ça date de 1945, et qu'à l'époque, il n'y avait qu'un pays qui avait l'arme nucléaire, c'était les États-Unis. Hein, 49, l'Union soviétique, 52, la Grande-Bretagne, 60, la France, 64. Donc, le fait d'être membre du Conseil de sécurité, permanent du Conseil de sécurité et d'avoir l'arme nucléaire, ça n'a rien à voir. Et quand vous avez Mme Merkel qui va négocier avec Poutine ou qu'on va discuter avec les Chinois, qu'elle, elle ou d'autres vont négocier avec les Chinois, ils n'ont pas besoin d'armement nucléaire pour négocier. Donc ça, c'est encore, ça fait partie de l'illusion, ça fait partie des blagues officielles. Ben non, ça n'a rien à voir. Alors, pardon, je n'ai pas répondu à votre question, je crois, parce que vous voyez comment ça se passe. Ça se passe que le contrôle est fait par l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie nucléaire. L'AIEA qui vérifie, c'est elle qui est engagée en particulier vis-à-vis de l'Iran, à vérifier. Donc, le pays a l'obligation de laisser entrer les techniciens et les spécialistes de l'AIEA, hein, qui est à Vienne, cette agence, pour vérifier les dires des États. Donc, ils ne peuvent pas mentir, puisque les autres sont des spécialistes et savent où se trouvent les possibilités de stockage, stockage des armes en particulier. Donc, voilà comment ça se passe. Ça s'est passé comme ça aussi pour l'armement chimique. Il y a eu un traité, on l'a vu au moment où la Syrie a utilisé de l'armement chimique, la Syrie n'avait pas signé l'accord, le traité de désarmement sur le chimique. Et il y a eu toutes les pressions que vous savez, il y a eu les affrontements, et on a obligé la Syrie à signer. Elle a signé. Et à partir de ce moment-là, les spécialistes de l'agence de contrôle ont pu entrer en Syrie et vérifier. Et ils ont vérifié un certain nombre de choses qui avaient besoin de l'être, en effet. Timothy est un lauréat anglais et il souhaite connaître votre appréciation des propositions que le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a faites à son homologue russe, Vladimir Poutine. Ah ben c'est plus qu'une proposition, c'est une décision qu'il a prise le premier jour de son arrivée à la Maison-Blanche, c'est de proroger le traité New Start au-delà de début février 2021. Et dans le même temps, Poutine et son ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, étaient allés dans ce sens, avaient dit qu'eux, ils étaient favorables à la prolongation, à la prorogation de ce traité, c'est-à-dire donc la limitation à 1550 armes stratégiques.
Alors, évidemment, ça ne règle pas tout, mais c'est un premier pas. Déjà, c'est une cassure par rapport à Trump, et c'est le signe que Biden va écouter. Nous avons IDN beaucoup d'amis qui sont des gens importants aux États-Unis, du genre de William Perry, par exemple, qui a été secrétaire d'État, et qui peuvent se faire entendre, qui sont des démocrates, qui vont se faire entendre par Biden. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'ils parleront, ils seront obligatoirement et qu'ils seront entendus, mais ils seront écoutés, et ça c'est important. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste en étant réaliste aussi, en sachant qu'il y a aux États-Unis une Chambre des représentants et un Sénat, et qu'il y a des groupes de pression. Qu'il y a là-bas aussi, je parlais d'Eisenhower et du lobby militaro-industriel, il y a un lobby militaro-industriel très, très puissant. À ce propos de lobby militaro-industriel, il faut que je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée quand je suis allé aux États-Unis. J'étais ministre de la Défense depuis 2-3 mois et j'avais fait un article dans Le Monde qui disait beaucoup de mal de l'IDS, de l'initiative de défense stratégique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce bouclier antimissile. Je disais c'est absurde, ça ne marchera pas, ça coûte des milliards, etc. Et les Américains l'ont mal pris, ils m'ont invité à Washington. Occasion de prendre le Concorde d'ailleurs, j'allais à Washington, je suis allé au Pentagone et ils m'ont fait un accueil de roi, hein, avec les gens tenus de l'époque, les coups de canon, et ils m'ont fait visiter dans le troisième sous-sol confidentiel un endroit qui montrait des photos qui prouvait que les Soviétiques avaient la possibilité de détecter les armes et que c'était contraire au traité de non-prolifération. J'aurais montré que ça ne tenait pas la route. Et quand je suis rentré en France, la première personne qui est venue à mon ministère, c'est M. Lagardère, qui n'était pas simplement un fabricant de journaux, c'était aussi un grand fabricant d'armes, et il est venu me trouver très courroucé et en me disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte, monsieur le ministre, tous les projets que vous nous faites perdre, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu ?» Je me souviens que je me suis fâché, je lui ai dit que ce n'était pas aux marchands d'armes de faire la politique de la France, c'était aux politiques, mais que je l'écoutais volontiers. Puis ensuite, j'ai eu quelques jours plus tard monsieur Dassault, le père, l'avionneur, qui était un type assez extraordinaire, mais là qui commençait à atteindre l'âge limite, puisqu'il est mort 2 mois plus tard, et il était venu avec monsieur de Bénouville pour m'expliquer que le Rafale était un superbe avion. Et il m'a expliqué ça longuement, et je lui ai dit, j'en suis tellement convaincu qu'on a mis un prototype au budget cette année. Ah, il m'a dit, mais ce n'est pas un prototype que je veux, c'est 4 prototypes, parce que c'est... Ah, j'ai dit, protos en grec, ça veut dire premier. Ah non, 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 c'est 4. Et alors, bon, quand il a vu que je tenais bon et que c'était absurde, il m'a dit, ben, vous savez, j'ai un bureau d'études à Saint-Cloud avec beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, c'était une simple menace, quoi. Ça veut dire, ben, je fermerai le bureau d'études si vous ne me faites pas 4. Bon, j'en ai fait qu'un, il n'a pas fermé le bureau d'études. Donc, ça, ce sont des petits exemples, des anecdotes. Mais il y en a bien d'autres qui sont moins anecdotiques que ça, que vous trouverez dans le livre « L'illusion nucléaire », comment fonctionne le lobby militaro-industriel en France. Évidemment, ils s'en défendent, hein, ils disent pas du tout, mais moi, je les connais, je sais comment ça se passe et je sais comment ça remonte au plus haut niveau. Ce n'est pas eux qui décident, mais c'est eux qui influencent très fortement tous ceux qui préparent la décision. Voilà comment ça se passe. Alors justement, se pose la question, et vous pose la question, d'un lien entre ce lobby nucléaire et les programmes d'histoire de l'éducation nationale. Oh là là, alors là, c'est un vrai sujet que j'ai discuté avec des enseignants, et on a essayé à IDN de voir avec les syndicats d'enseignants, pour voir comment on peut faire que justement, ce qui est entré actuellement, d'après ce que je sais, dans les programmes, n'est pas tout à fait conforme à tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, à ma connaissance, mais il faudrait peut-être y regarder d'un petit peu plus près, votre institut pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on rentre dans les programmes s'agissant de l'histoire du nucléaire déjà,
et des discours idéologiques, voire religieux, dont je vous parlais. À partir du moment où dans un programme d'histoire, on vous donne des affirmations du genre l'arme nucléaire est indispensable pour la sécurité de la France, ça mérite discussion, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça mérite surtout de ne pas bourrer le crâne des jeunes avant qu'ils se soient fait un petit peu un avis avec des points de vue différents. Oui, bien sûr. En fait, je me permets de parler, c'est moi qui ai posé la question parce que j'ai eu la chance de participer au Festival de l'Histoire qui se tenait à Blois cette année. Et j'ai participé à une conférence où il y avait justement le ministère des Armées qui proposait aux professeurs d'histoire d'étoffer leur programme. Donc, ce n'était pas directement dans le programme, mais qu'ils avaient des financements pour parler du nucléaire, de Marie Curie indirectement, et que les financements étaient illimités. Donc, ça se fait directement, finalement. Enfin, je sais pas si je peux comprendre ça, mais... il serait bon de voir ce qu'ils font et de mettre un peu de contradiction. Moi, j'étais à Blois aussi, mais c'était pour parler de la réforme des postes de télécom. Mais... Ah, je vous ai pas vu. C'était autre chose. Mais oui, vous avez raison. Ça serait important de voir s'ils ont de l'argent. Ben, très bien. Je vais leur donner des idées pour savoir comment le dépenser et surtout avec quel type de discours. Mais il peut y avoir aussi des discours contradictoires. C'est pas mauvais. Quand on enseigne les jeunes, on n'est pas obligé de leur dire tout simplement nos ancêtres s'appelaient les Gaulois, etc. Enfin, moi, j'ai des souvenirs des cours d'histoire quand j'étais gamin. C'était quand même assez limité, quoi. Oui, mais après, c'est un peu choquant que l'armée pousse, enfin, vu qu'on est censé être dans une démocratie, que techniquement, l'éducation est différée de l'État, enfin, on n'est pas censé être influencé par l'État ou par des avis politiques à l'école. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Oui, ça, je n'avais pas compris que c'était eux qui finançaient direct. Ah non, ça, c'est tout à fait choquant. Non, je croyais qu'ils avaient dégagé de l'argent pour justement faire un travail, mais qu'eux n'aient pas du tout le contrôle du contenu. Je suis peut-être naïf là. Bah, si, du coup, ils avaient le contrôle du contenu, mais qui se rajoutait au programme de l'éducation nationale. Ah oui, non, alors là c'est plus correct du tout. Il y avait trois, je me rappelle juste de Marie Curie, mais il proposait trois thématiques, et si le professeur d'histoire proposait cette thématique, il aurait des financements en échange. Ouais, alors, je vais vous poser une question. Si vous avez des éléments concrets de ce que vous me dites, ce dont je ne doute pas, soyez gentil de me l'envoyer. Je pense que ça me sera... Alors, je vais retrouver le nom de la plateforme, et puis je vous l'enverrai. Vous m'envoyez ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Estelle, au passage, je le dis pour les unes et les uns, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions en direct et ne passez pas toujours par mon truchement. Estelle se demande si désarmement nucléaire et démantèlement des centrales nucléaires, même combat. Donc, est-ce que vous êtes également opposé au nucléaire civil ? Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque moi, je me suis intéressé dans les années 70 aux questions d'énergie par mon métier d'ingénieur, jusqu'en 1978, donc pendant presque 15 ans, et après je suis devenu député. Mais à cette époque-là, je m'y intéressais tellement, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait une association pour le développement des énergies nouvelles, et j'étais opposé aussi aux surrégénérateurs, parce qu'à l'époque, c'était après la crise de 73, l'augmentation considérable du prix du pétrole brut. Le slogan en France, c'est « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Et dans les idées, il y avait la construction de nombreuses centrales nucléaires. Et c'était le plan Giraud, le plan Dornano. Ce plan était délirant. Et il s'y rajoutait, cette centrale traditionnelle, nucléaire traditionnelle, mais aussi les surrégénérateurs. Qui produisaient plus d'uranium qu'ils n'en, du plutonium qu'ils n'en consommaient. Et c'était extrêmement dangereux. Et moi, j'ai fait le tour du monde des surrégénérateurs en 79-80 avec un journaliste d'Europe 1, un journaliste de France 2 et des députés des quatre partis principaux. Moi, pour le PS, il y avait Messmer pour le RPR, enfin qui ne s'appelait pas RPR d'ailleurs à l'époque, l'UDR, et deux autres, un pour le Parti communiste et un pour l'UDF. Et on a fait le tour du monde, on est allé aux États-Unis, on est allé en Grande-Bretagne, etc. Et on a vu partout la catastrophe qui se préparait.
Et de fait, tout l'argent qui a été dépensé dans le surrégénérateur n'a servi à rien, puisque ce qui a été engagé a été abandonné. C'était l'affaire de Crémalville, a été abandonné. Et je me souviens que le président de la République de l'époque, qui était Giscard d'Estaing, disait, parce que bon, ça inquiétait les gens de voir le prix de l'essence qui augmentait, c'était essentiellement ça qui les inquiétait d'ailleurs, pas trop les problèmes d'environnement, qui disait, avec les surrégénérateurs, on a plusieurs Arabies saoudites sous les pieds. Eh bien, ça a disparu, on ne les a pas eus. Donc, c'est pour vous dire, moi, je m'y suis intéressé de très près et j'ai demandé, justement, à Mitterrand à l'époque, qu'on réduise le nombre de centrales. J'étais chargé d'une commission chargée de préparer un débat public à l'été 81, c'est-à-dire après l'élection présidentielle et législative, où les socialistes étaient majoritaires absolus. Et je présidais cette commission de l'Assemblée nationale pour préparer un débat public qui, malheureusement, a été un peu sabordé par le Premier ministre de l'époque, qui était Pierre Mauroy. Je m'étais un peu énervé. J'avais demandé qu'on réduise le nombre de tranches nucléaires, ça devait être 6 ou 7, je ne sais pas, qu'on le réduise. On m'avait dit non. Et deux ou trois ans plus tard, à ma grande surprise, en Conseil des ministres, moi, je n'étais pas chargé de ce secteur, j'ai vu arriver une réduction du nombre de tranches nucléaires. Donc, vous voyez, je me suis impliqué. Alors, dire « êtes-vous contre, êtes-vous pour ?» Je ne suis pas contre, on y est, je sais ce que c'est. Et simplement, je constate qu'il y en a trop, je constate qu'on a du mal à en fermer. Je constate qu'on a parfois du mal à développer les énergies renouvelables au rythme où on devrait. Maintenant, c'est en train de venir, mais on a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Je m'en suis rendu compte même comme élu local, où j'avais déclenché un grand projet de développement d'éoliennes, et j'ai eu évidemment contre moi, y compris les écologistes qui étaient contre les éoliennes. Bon, ils étaient un peu contre tout, hein. Ils étaient contre le pétrole, contre les éoliennes, contre le photovoltaïque, ils voulaient bien accepter. Bon, ce rapport entre nucléaire civil et nucléaire militaire, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez subtil, parce que ça joue surtout aujourd'hui sur les déchets, parce que le nucléaire civil a de gros déchets qu'on ne traite pas très bien, et le nucléaire militaire, c'est complètement… On n'en parle jamais, mais imaginez donc le porte-avions qu'on a décidé, de nouveaux porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle, que j'avais décidé moi en 86. Il s'appelait le Richelieu d'ailleurs à l'époque. Hein, et François Mitterrand, à qui j'avais proposé qu'il s'appelle Charles de Gaulle, m'avait dit « on est à 2 mois des élections, c'est un peu démagogique de faire ça ». Bon, alors, appelé Richelieu, et quand Chirac est arrivé 3 mois plus tard, c'est redevenu le Charles de Gaulle. Eh bien, le remplaçant du Charles de Gaulle, il doit tenir jusqu'en 2060, 2070. C'est à ce moment-là qu'on aura des déchets monstrueux. Alors, ces déchets, il y a des déchets métalliques, mais il y a des déchets nucléaires. Où est-ce qu'on les met? Comment on se protège de ces déchets? Et il y a des tas de débats, il y a des associations qui confondent les deux, mais ça, c'est leur combat, ce n'est pas le mien, qui consiste à mêler nucléaire civil et nucléaire militaire. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire. Ce sont deux combats différents, complémentaires, mais qui ne se traitent pas de la même façon. Il ne faut pas oublier cette question fondamentale des déchets. Pour terminer, deux questions très personnel. La première, c'est dans votre vie et depuis vos premiers engagements, quel est le moment et l'engagement qui vous a paru le plus important, le plus remarquable, le plus notable, celui qui vous a porté et qui vous permet de dire aujourd'hui j'étais engagé au bon moment, au bon endroit? Compliqué. Et compliqué parce qu'il faudrait que je reprenne tout mon cursus depuis mon jeune âge, même avant Polytechnique. Moi, je suis né en Algérie, j'ai vécu au Maroc jusqu'à 16-17 ans, je suis arrivé en France, je ne connaissais presque pas la France, et j'ai découvert, presque comme un immigré, mon père était officier, ma mère institutrice,
Donc, j'ai reçu une éducation très particulière, même, disons, catholique. Et bon, j'ai abandonné un petit peu plus tard, parce que pour des tas de raisons que je pourrais expliquer, que j'écrirai peut-être un jour. Et à chaque fois, si vous voulez, j'étais imprégné, non pas des valeurs religieuses, mais de certaines valeurs qui me semblent fortes et que j'ai résumées dans le slogan que j'ai mis en tête de mon blog, comprendre, vouloir agir. Comprendre, vouloir agir, c'était dans une association de cadres catholiques à l'époque qui s'appelait le MCC, et je trouvais ça très bien. Parce que, et c'est ça que j'applique à chaque moment de mon existence, et y compris dans ce combat dont nous parlons aujourd'hui. Comprendre, c'est ce qu'on essaye de faire là ensemble, et ce que je fais depuis des années. Vouloir, c'est la décision de s'engager, et agir, c'est faire. Et agir, c'est faire pas tout seul, faire avec d'autres, faire avec des objectifs, etc. Et donc, pour remonter à partir d'aujourd'hui, quand je me suis engagé dans les années 90-2000 pour le désarmement nucléaire, je crois que c'est un engagement fort que j'ai pris. Je faisais d'autres choses à côté, hein. J'écris des livres, je faisais de la politique. Bon, la politique, j'ai arrêté l'engagement public de la politique, mais j'en ai fait pendant de très nombreuses années avec des fonctions très fortes. Quand je me suis engagé à devenir député, 78, il n'y avait pas de député socialiste à Paris. Et il fallait sacrée inconscience, peut-être, sacrée naïveté. Le patron de l'entreprise à laquelle je travaillais m'avait dit, de toute façon, on s'est renseigné auprès des renseignements généraux, parce qu'ils avaient l'air d'être en bonne relation, vous ne serez pas élu. Ah, je dis, bon, bah, très bien. Alors donc, vous ne pourrez pas rester à Paris, on vous enverra soit en Afrique du Sud, soit au Venezuela, soit à Londres, mais vous savez, à Londres, c'est difficile. Ah, j'ai dit, écoutez, merci, je pense que je serai élu. Et j'ai été élu parce que j'avais du monde avec moi, parce que j'avais la volonté, j'étais le seul député socialiste de Paris. Quand j'ai accepté d'être ministre de la Défense, ce qui n'était pas une évidence, ça n'a pas tellement fait plaisir à mon père qui trouvait que… il trouvait que ce n'était pas le bon moment, surtout qu'il y avait une grosse crise en cours et que moi, j'étais chargé de résoudre la crise. Mais là, je crois que j'ai fait quelque chose qui a marqué. J'étais 5 fois ministre pendant 8 ans et on me parle toujours des 6 mois que j'ai passé à la Défense, alors que j'ai fait d'autres choses qui, à mon avis, je pense à la réforme des postes télécoms, est quelque chose de très fort. Bon, quand j'ai décidé, parce que c'était un sujet qui me passionnait, Alix, l'espace, le spatial, d'être ministre de l'espace, qui a accompagné le poste télécom et qui ensuite a accompagné l'équipement, donc pendant 4 ans, pour moi, c'était un moment exceptionnel et ça m'a tellement imprégné tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait que j'ai une de mes petites filles qui est un super-héros et qui se passionne pour le spatial. J'y suis pour rien, mais elle a dû regarder quelque part dans mon CV et dans les histoires que je raconte. Bon, alors ensuite, quand j'ai quitté Paris pour aller dans le Tarn, c'est que j'en avais assez de la façon dont on faisait de la politique à Paris et que j'avais envie de voir sur le terrain. Et ben, j'ai choisi, on m'a offert la circonscription de Jean Jaurès. Et ça m'a permis de me pénétrer beaucoup plus profondément dans l'histoire et les écrits de Jean Jaurès. Et bon, j'ai organisé plusieurs spectacles sur Jean Jaurès. Ils ont tué Jaurès, l'autre c'était Jaurès, une voix pour la paix. Donc des moments extrêmement, extrêmement forts qui me permettent de se replonger dans des valeurs, encore une fois. Et là, ben, quand j'ai décidé de quitter, après 25 ans de mairie à Cordes, de quitter Cordes et de quitter le Tarn pour revenir à Paris, me confiner. Donc, c'est une décision forte aussi que j'ai prise. Voilà, vous voyez, je réponds bien et mal à votre question. Je ne suis pas capable de dire quelle est la plus importante. Hein, comprendre, vouloir, agir. Je vous le recommande, c'est une bonne maxime. Dernière question qui est portée par plusieurs personnes, dont Olivier, Alain et quelques autres, et Laurent également. Vous avez 79 ans, vous allez les avoir dans 2 jours. Attendez, c'est dans 2 jours, hein? Ah oui, vous les aurez dans 2 jours. Je peux vous taquiner, vous allez entrer dans votre 8e décennie dans 2 jours. 79 ans, c'est la 80e année. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi fringant, aussi alerte, aussi passionné, aussi passionnant? Qu'est-ce qui vous
permet, et c'est important que vous le disiez aux un peu plus jeunes et aux toujours jeunes qui vous écoutent, qui vous permet de continuer à militer, à lutter, y compris, petit clin d'œil, sur ce qui peut apparaître à beaucoup et ce que beaucoup voudraient faire apparaître comme une cause perdue. Oh, bon, ce n'est pas du tout une cause perdue, je ne me suis jamais abandonné aux causes perdues. J'ai eu quelques déceptions du côté du Parti socialiste, mais ça c'est autre chose, c'est entre eux et moi. C'est comprendre, vouloir agir. C'est que sur tous les sujets importants, je cherche à comprendre. Une fois que je crois que j'ai compris, je veux faire quelque chose, alors ça peut être différent, et ensuite agir. Agir avec d'autres. J'aime beaucoup le travail en commun. Je suis peut-être considéré par ceux qui travaillent avec moi comme un peu dirigiste de temps en temps. C'est pas du dirigisme, c'est l'envie que ça marche, l'envie de réussir. Et je crois que c'est ça la réponse. C'est l'envie de réussir. Et puis, j'ai trouvé une formule il y a quelque temps sur laquelle je fais un papier que vous retrouverez sur mon blog qui s'appelle Survivre et prendre du plaisir. Parce que je me suis aperçu, et il y a des gens qui ont écrit là-dessus d'ailleurs, mais moi je l'ai trouvé tout seul, que les deux motivations, non pas de l'homo sapiens, mais de l'être humain, c'est survivre et prendre du plaisir. Et si vous réfléchissez bien, en ce moment, avec le confinement, la pandémie, il y a une atteinte aux deux. Prendre du plaisir, on n'a pas tous les plaisirs qu'on voudrait, et survivre, on a peur de ne pas survivre. Donc, si on se bat pour survivre, et si on pense à prendre du plaisir, chacun de façon différente de prendre du plaisir, et à ce moment-là, on se bagarre pour toutes les causes, même celles que certains inconscients considèrent comme perdues. Je vous remercie infiniment. Je remercie Annick Weiner qui est avec nous et grâce à qui votre conférence a pu avoir lieu. C'est, bonjour c'est Annick. Elle qui ah, vous a convaincu d'intervenir devant les lauréates et les lauréats de l'Institut de l'engagement. Annick, merci infiniment. Monsieur Polkiles, merci beaucoup. Merci, c'est bonsoir moi. À toutes et tous. Merci beaucoup pour vos nombreuses questions et puis promettez-moi de les poser en direct la prochaine fois. Ah, j'espère. Et alors, bonne continuation à votre institut et tenez-moi au courant de ce que vous faites. Je trouve que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et au revoir au chat. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Zut, repéré. Oui, je crois. Je n'arrive pas encore à m'astreindre à le scotcher au mur avant les zooms. Je ne sais pas pourquoi. S'intéresse au débat. Passionné, je dirais. Passionné. C'est pas le moment de maltraiter les chats. Non, ça se fait. Normalement, c'est pas la mode. De jingle de fin, mais qui n'est pas lancé. Non, je crois qu'il n'y aura pas de générique de fin. Il n'apparaît pas sur mon écran de partage. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un mystère de la technique. Bonsoir, merci à tous. On se retrouve très bientôt en ligne et vous recevrez, vous avez déjà probablement reçu les invitations pour les prochaines conférences. Et il se murmure qu'on aura bientôt un ciné-débat avec une réalisatrice qui a réalisé un documentaire sur une femme sage-femme en Seine-Saint-Denis. À très bientôt. Bonne soirée. Allez, on raccroche.